Lundi 8 avril 2024, Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité a mené nous dans le dossier éclipse solaire totale qui était dû passer dans le pays d'Haïti. Eh bien, un peu le monde était curieux pour te voir comment ça l'étape passé par rapport avec Jean. L'été annoncé, si dans le pays d'Haïti, il n'y a pas de trace éclipse, eh bien, les différents pour pays Amérique du Nord, à savoir les États-Unis, Mexique et Canada, côté éclipse solaire totale, ça a commencé dans le pays Mexique, côté libéral arrivé, traversé aux États-Unis avant l'arrivée Canada. Eh bien, situation ça, c'est la cause en pile monde, mesdames et messieurs, patrie aller travailler dans le pays blanc américain. Elle t'a piqué curiosité en pile monde tout pour te voir phénomène ça qui t'a passé. C'est eh bien en pile disposition te prend dans pays blanc américain pour garder comment phénomène si là l'étape passé. Nous pral présenter avec VOA Creole yon dossier spécial sur ça dans mi-temps émission. L'autre point dans actualité, situation tension dans capitale pays d'Haïti, précisément dans alentour palais national côté bandi à gros am fan fois t'as tenté yon l'autre fois encore pour te gagner contrôle institution ça. Eh bien, la police t'a pral campé pour contrecarrer monsieur armé sa yo. Eh bien, dans le même moment, la police t'a pral dégepi yon série Timachan qui t'a vann sous chat master pour te ka faciliter yon même yon fait travail yon, à savoir touke coup de balle ak bandi vivre ensemble kap tente pour si yon capable prendre palais national. L'autre point dans l'actualité, il faut que nous disions gagner installation conseil présidentiel là qui toujours dans impasse malgré différents acteurs déjà signés accord politique qui pour bailler CPA j'arrête là. Eh bien, c'est toujours gros et tête chargé pour qu'on ait qui date y a installé conseil présidentiel si là. Nous pral inviter au rete sous VOA Creole pour plus d'informations. C'est un sujet si là. Sinon, quel est le grand point qui a dominé l'actualité? 8 avril 2024, là, éclipse solaire totale qui commence au Mexique, traverser les États-Unis avant d'arriver dans le pays Canada. Israël a annoncé les touiller un gros commandant Hezbollah dans une attaque dans le sud Liban pendant l'autorité État hébreu dit qu'il paraît pour attaquer Rafah malgré position Washington et Nations Unies. En Haïti, date pour installation conseil présidentiel transition pour fixé malgré accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Et puis pendant le week-end, c'était sommet international finance groupe croissance là dans Miami et dans New York, c'était la nuit des c'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Et je dis, c'est 8 avril 2024, son date définitivement historique, surtout avec éclipse solaire totale. Oui, nous avons un moment éclipse solaire. Moi-même, moi dans le studio là, je ne peux pas garder dehors. Et donc, c'est en pile attention qui fixe. C'est un événement planétaire, bien que éclipse a sorti, il a déjà sorti Mexique, l'a traversé qu'on y a les États-Unis et il prend la direction et Canada. Dans le moment, n'a pas là. Sandra Lemaire, après, dis-nous plus sur éclipse solaire. Amérique du Nord a vécu une autre éclipse solaire totale jeudi 8 avril. Marsha Dunn, c'est une journaliste Associated Press. Everybody on Earth is going to, you know, be excited about this, but there will be. Tout le monde sur la planète Terre excité, mais il y a 7 personnes qui passent sur la planète Terre qui intéressent tout. C'est astronautes qui vivent dans la station spatiale internationale là. Ça prend 90 minutes pour faire le tour planète Terre. Il y a capable au moins une partie éclipse là et il va prendre note en l'air. Fois ça, éclipse là a duré deux fois plus longtemps et plus moon a suivi passé quantité qui t'a suivi dernière fois ça arrivé en 2017. The only reason why we're so lucky to be getting total solar eclipses is because the moon. Il dit raison nous gagne chance comme ça c'est parce que la lune 400 fois plus petit passé soleil là. Soleil là situé 400 fois plus loin. Qui donc c'est distance parfaite pour éclipse soleil là avec la lune. C'est une bagaille qui pas arrivé aucun
l'autre côté dans le système solaire. Donc, ça la cause nous vraiment et spéciale en tant que chrétiens vivants. Éclipse lundi a frappé côte pacifique Mexique là pour commencer et puis traversé Texas à 14 autres États américains avant de passer sous Canada pour finir. N'a pas rappelé qu'une éclipse, c'est la lune couvrir le soleil là et puis bloquer le rayon soleil pour ne pas arriver sous la Terre. Il durait 4 minutes 28 secondes, ça dépend de qui côté où il est, le l'a passé. Presque tout le monde qui vit sur le continent Amérique du Nord a bien chance ouais au moins une partie dans l'éclipse là jodi a. Mais pour les gens qui pas ka wel, yo ka tandel. Pour faire ça, il y a une nouvelle technologie que yo mette à la disposition moun ki aveugle yo. Min Ha, c'est manager adjoint technologie dans l'école Perkins pour moun aveugle yo. When we can't see something, it doesn't mean that we can't experience something. Il dit même si nous pas ka wè un bagage, ça pas veut dire nous pas ka jouir expérience là. Nous gagnons un pile sens qui différent qui permettent nous jouir diverses expériences. Même si les différences, ça pas veut dire li pas gain valeur. Appareil moun aveugle yo pral servi pour écouter éclipse là, relé light sound. Li essentiellement traduit lumière qui a changé pour faire tourner un son. Le soleil l'a éclairé en pile, une flûte sonnait. Et le la lune a commencé à couvrir le soleil là, gagnait une clarinette qui sonnait. Le fait noir net, gagne un son qui bat en pile. Projet A, c'est résultat d'une collaboration entre un astronome qui est aveugle, qui est Wanda Diaz Merced, et puis un astronaute qui est kawé, qui travaille dans l'université Harvard. Diaz Merced traduit données liées au accent pour les cas analyser tendance pour faire recherche. Il a été servi à premier prototype là pendant éclipse totale soleil là en 2017. Après ça, il a été servi à Vel pour une autre éclipse. Anissa a distribué 750 appareils pour Pipiti dans le lieu côté moun rassemblé pour garder éclipse là dans Mexique, États-Unis à Canada. Il a été organisé atelier dans université, musée et magasin qui fait appareil là pour apprendre moun qui gens pour yo servi à Vel. Minha dit ça fait content. I'm very excited about it. I'm definitely going to be a part of it. Lydie m'a très chauffé. Définitivement m'a participé là-dedans, Anissa. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, c'est vrai que éclipse solaire c'est un phénomène scientifique mais il gagne pile impact, il gagne aspect touristique, il gagne aspect économique. Nous allons rejoindre Valérie Celui depuis New York sous impact économique que éclipse là provoqué quelque côté que l'a passé. Éclipse solaire qui a passé dans le moment n'a pas là, dans date lundi 8 avril 2024 ça, c'est peut-être un événement qui a passé une fois dans la vie en pile monde. Gain plus passé 30 millions monde qui sous trajectoire éclipse là, n'est pas parti dans États-Unis côté que y a bien chance ou événement ça. Selon en pile analyse, éclipse là déjà fait un impact économique sous plusieurs villes et états qui ont même t'a préparé pour événement. Spécialistes ont estimé une augmentation de 6 milliards de dollars dans l'économie américaine. D'après une analyse que la compagnie de consultation économique qui relève Perryman Group a fait, la compagnie de consultation a dit que l'éclipse a gagné en pile chance pour générer plus d'intérêt que l'autre éclipse qui passait en Amérique du Nord dans l'année 2017. Là. Parce que durée éclipse année ça, puis longue, et puis prochaine opportunité pour yon moun wè, yon événement comme ça encore en Amérique du Nord qui arrive dans l'année 2044. Great American Eclipse, qui c'est un site information qui suivent éclipse solaire à travers le monde, prévoit que 4 millions de monde voyager pour éclipse là. Et l'administration aviation fédérale, FAA, estimait que jour avant éclipse là, c'était jour voyage qui était plus chargé dans la saison. Avec 50 670 vols dans jeudi 4 avril, et puis 48 904 vols dans vendredi 5 avril, ça veut dire que dépenses guettant a fait avant jour éclipse là, qui c'est jeudi lundi 8 avril là, qui donc des monde qui déplacent vini vendredi, samedi, dimanche pour y passer quelques jours dans zone côté que capable vivre événement. Par exemple, dans zone Westchester New York là, y a déjà estimé 300 000 à 500 000 visiteurs qui voyagent à travers région et qui viennent porter l'argent by business local, yo coué hôtel, service logement Airbnb, restaurant, fait gaz ou mettre dans machine acheter souvenir. À l'autre business qui a desservi monde qui eux même t'ai planifié, viennent passer week-end avant événement éclipse là.
Site internet qui vend lunettes spéciales pour éclipse là dit que yo sold out, qui veut dire yo pas gain encore pour yo vendre. Compagnie American Paper Optics qui lui-même fabrique lunettes spéciales ça yo dit que depuis année passée, vers date 14 octobre là, yo te recevoir plus passé 30 millions commandes pour lunettes ça yo. Lunettes spéciales pour éclipse ça que yo vend à travers pays États-Unis, Mexique et Canada. Dans zone Niagara Falls, qui c'est une gros cascade d'eau qui très reconnue dans zone New York là, bien bonheur d'ouvant jour, en pile monde déjà fait déplacement vini pour réserver une place pour qu'à témoin et puis vivre éclipse solaire ça, jeudi lundi 8 avril là. Niagara Falls, gros cascade d'eau ça qui sous frontière États-Unis à Canada, les mêmes touristes sous trajectoire éclipse ça et zone là attirer touristes qui sortent dans tout pays pour venir garder événement ça. Des jeunes ça aussi élèvent l'école secondaire qui sorti dans ville Pennsylvania. Ça a son expérience une fois dans une vie pour voir une éclipse, spécialement dans Niagara Falls. Moi pas penser n'a pour une autre comme ça pour des dizaines d'années et même si nous très loin la caille nous ça vaut la peine pour nous conduire sorti longue distance pour venir là. Oui, bien ça c'est éclipse qui plus près dans moment que n'a vivre là jusqu'à 2079, même là ça si nous vivons toujours. Messieurs, dames, ça a sorti dans la ville de Chicago. Son bel bagage qui amusant en plus de ça et Vepita attaque à surprise. Nous pas jamais connu une proposition de mariage. Nous très excités pour ça. Définitivement, ça a son gros moment pour nous. D'après scientifique, prochain rendez-vous avec Eclipse Pabo ici aux États-Unis, t'as capable briver jusque dans l'année 2044. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Donc c'est définitivement un gros événement historique. Il y a un monde qui pral dit petit, petit yo. Que yo te présent et que yo te vive moment ça éclipse solaire total ça qui sorti Mexique qui passait sur les États-Unis et qui pral abouti dans pays Canada. Ou souvé ou akor l'op suivi un programme dans langue créole haïtien n'a quitté zone Amérique du Nord pour aller dans région Moyen-Orient. Et ben côté Israël annoncé li touye un gros commandant Hezbollah dans une attaque dans sud pays Liban pendant que autorité israélienne dit que yo même y a paré pour un gros attaque dans Rafah malgré position les États-Unis avec Nations Unies. Serge Rodriguez, gen détail. Responsable militaire israélien fait connait yo touye un commandant Hezbollah jeudi lundi à dans cadre d'une attaque aérienne sur parti sud Liban. Commandant Sila a mené plusieurs opérations qui ciblaient région nord état juif là. Un communiqué Israël publié identifié défunt commandant comme Ali Ahmad Hassin qui fait partie force Rodan groupe Hezbollah. Yoav Galant, c'est ministre de défense Israël. Force nous y a fait retrait, y a une façon pour préparer prochaine mission yo va confier yo. Nous allonger doit être sur quelques missions dans sens ça, dans opération Shifa yo, ensemble avec future mission dans région Rafah. De notre côté, plusieurs centaines de monde étaient rassemblés dans la ville de New York hier dimanche 7 avril là pour exiger libération 130 otages militants Hamas toujours kembé dans Gaza après 6 mois yon la guerre état Hebrew à groupe militant Hamas là. Manifestation hier dimanche là la ville de New York, c'est seulement youn dans divers lots qui a déroulé dans plusieurs grandes villes sur planète là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sous Bopali dit pape ka gen yon cesser le feu tout autant militant Hamas yo pas libéré otage. Moi déjà fait communauté internationale la connaît en clair pape gen aucun cesser le feu tout autant yo pas retourné otage yo ba nou. Cesser le feu ça pape fait. C'est politique gouvernement Israël là et moi bien accueilli le fait que administration Biden nan te parlé à clair ça gen deux jours pour dire les même position avec nous sur question. Moi voulais ajouter un autre bagage, c'est pas Israël qui bloqué yon accord dans sens ça. C'est plutôt le groupe Hamas là qui l'a causé ça. Te gen une manifestation qui s'est déroulée ici à Washington tout avec participation membres famille otage qui toujours en bas main groupe Hamas là parmi yo Ilan Sigel qui c'est petite fille Kit et Aviva Sigel qui ont été pris comme otage. Aviva qui était joint libération li après 51 jours captivité, te prend la parole pendant manifestation Washington. I had no human rights. Moi pas joui aucun droit humain. Moi te senti comme si moi pas représenté rien, mais moi te retourné la caille moi. Pendant ce temps, Israël déjà touye plus passé 33 000 moun dans Gaza dans cadre d'opération Kif Kif sous Hamas pour attaque mortelle groupe ça a été lancé sous état Hebrew na date 7 octobre passé. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez sous VOA Creole, on suivi un programme dans langue créole haïtien. Nous pas entrer dans actualité à concernant pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité à notre pays d'Haïti. C'est bien gagné date pour installation conseil présidentiel transition qui peut fixer malgré que gon accord qui sorti un accord sur une transition pacifique et ordonnée. Nous gagne Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui gagne Cabano yon idée de accord ça. Conseil présidentiel là dans pays d'Haïti sur route pour prendre forme tout bon vrai.
divers secteurs qui en dedans écrit ça signé deux documents n'a parlé de accord politique là avec projet décret deux documents ça yo déjà à joindre CARICOM qui doit bon côté parle voyer le premier ministre démissionnaire Ariel Henry. Gouvernement intérimaire convoqué bon côté parle un conseil ministre dans l'idée pour arrêter décret qui portait nomination conseil présidentiel là. Selon information yo yon fois étape ça franchi secteur qui composait conseil présidentiel là a organisé élection pour élire un président. Si tout va passer bien, conseil là capable rapidement installer dans palais national. Document qui relait accord politique pour une transition ordonnée et pacifique, gain la donne 53 articles. Selon article 13 document, mandat conseil présidentiel là prend fin 7 février 2026. Selon article 2 document, gagnent 3 organes qui prévoit mettre en place dans cadre des massas. Conseil présidentiel là, gouvernement ak organe contrôle action gouvernementale qui gen tinon jwet li au CAG. Au CAG la a gen la dan 15 membres parmi yo organisation défense droits femmes ak jen kap voye 2 représentants. N'ap souligné fonction principale conseil yo c'est mete sécurité en des pays a redresser économie et organiser prochaine élection. Nan document yo prend décision tout pour pas prolonger mandat yo kap démarrer nan date prestation seman. Poko gen ken date ki fixé pour installer conseil présidentiel là selon yon source non capable faire confiance. Yon mois après Ariel Henry nan campé loin nan pays les États-Unis côté gang armé yo empêché le retourner dans pays d'Haïti, pays a complètement en mode pilotage automatique. Administration publique la fermé environ yon mois après vol yo suspend en raison de attaque gang yo a fait dans aéroport qui toujours poko reprendre service. États-Unis, Canada, la France a organisé vol spécial pour sortir citoyens yo nan Kaosa nan pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et van dit que si a un nouveau accord politique ça, et ben il provoque en pile réaction. Nous connaît que gain réaction qui en faveur conseil présidentiel de transition, mais gain tout qui t'a voulu que y aller dans cour de cassation pour choisir yon membre cour de cassation qui régulièrement est nommé d'après ça yo dit. Nous pas rejoindre Renan Toussaint depuis Port-au-Prince qui gain réaction sur accord politique là. Dossier qui gain rapport avec signature accord politique qui t'a dû faciliter mise en place conseil présidentiel de transition. Hein? Soulever réaction négative, bon côté certains leaders politiques haïtiens, parmi eux, ancien député Serge Jean-Louis, qui c'est leader Force nationale ou démocratie FND. Mais c'est un accord d'exclusion. C'est un accord qui écrit masse là. Un accord qui écrit une bonne partie de la société, les forces vives, soit les forces progressistes, à quoi ça, c'est un accord qui exclut. Donc, nous-mêmes, on prend distance, non? D'autant plus que c'est la dictée de la communauté internationale. Dans le temps, oui, les arrivés, ils peuvent protester, ils ne peuvent pas protester. Ancien député Serge Jean-Louis réitérait position. Pour le dire, c'est choix un juge de cassation qui a un intérêt pays d'Haïti. La Cour de cassation, c'est la meilleure voie. La Cour de cassation, c'est la voie la plus sage. La Cour de cassation, c'est la voie, comme dit Mdagado, jurisprudentielle et qui a une référence positive dans l'histoire pays, à qui va résultat. De l'autre côté là-bas, conseil présidentiel, tout le monde d'accord, il n'y a pas jamais de résultat. Bon côté parle, Saint-Jean Martini, responsable parti politique, nous d'accord, replanifier Haïti, nous devra plaider en faveur installation sans perdre du temps, conseil présidentiel transition. Nous demandons avec la terre, faut dépasser le soir. Nous, comme j'étais à l'Henri, faut la guerre rapide. Faut qu'on s'est installé. Mais vous, mais qu'est-ce que c'est cette tête? Parce que Haïti n'a pas de personne morale qu'on y a. Haïti qui est personne physique. Dégagez, prenez une résolution sur quelque chose. Il est important. Parce que matin, c'est la mort 7 mounes à terre. 7 mounes à terre, Majesté Robo. 7 mounes. Deux jeunes filles. Il n'est pas normal. Vaccin a une facilité et sécurité a une augmentée. Messieurs, dames, vous êtes tranquille. Nous sommes anciens gouverneurs. Nous sommes anciens ministres. C'est des gens qui m'ont voulu manger. Bien sûr. Parce que vous avez un paquet de bagages que l'État, le pays, a fait une mounes. Pas de n'agir sur les droits de veto. Tout droit de veto concerné peuple haïtien. Yon dossier n'a pas suivi. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien, dans tout débat politique, ça y est, mais bandit, pas suspendre si main, latéré, yo boulé, yo pillé, et parmi ça, boulé et pillé, gagné l'église. Et Baptiste qui n'a route de la Réunion, tout près, ancien palais justice là, on a le rejoint Massado Villemé.
Dans la nuit de vendredi 5 pour le 6 avril, bandi qui fait partie vivre ensemble, pillé premier l'église baptiste qui dans rue de la Réunion, qui pas trop loin palais national. Dans un communiqué responsable l'église a mis dehors 6 avril là, fait qu'on est bandi au poté aller tout ça qui gain rapport avec sonorisation, informatique, ventilation, sortie l'église là. Dans même communiqué cela, pasteur à l'église a fait qu'on est c'est depuis 24 mars passé à bandi ont commencé à attaquer l'église là qui est 188 l'année depuis l'existé. Il y a l'autre côté gang taliban qui gagne en tête li un certain Jeff Colloa crasé un commissariat police qui dans bon repos direction nord capitale là dans la nuit dimanche pour lever 8 avril là. Bandi ont utilisé une pelle excavatrice pour capable commettre zaxila. Ça nous capable une vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux. Et pour jeudi lundi 8 avril 2024 là, coup de balle passé suspendu chanté presque dans toute région métropolitaine là. C'est comme ça, c'est maintenant démarré dans la capitale haïtienne. Côté l'école, banque commerciale et commerce rete ak porte fermé. Toutefois, la police continue à multiplier les efforts pour contrer carré bandi yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour Véro Créole. Et puis, il y a un autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti. En pile monde qui bénéficie du programme Biden, nan, en ben, yote kouri alé nan aéroport au Cap là. Après, il y a une rumeur. Il y a une nouvelle qui t'a fait quoi que gagne un vol gratis, ti chéri, pour les États-Unis. Et Gérard Maxino, abdi-nous plus sous question ça. En pile monde dans le programme Biden, nan, t'es débarqué dans l'aéroport au Cap là, samedi 6 avril 2024 là, après information que t'es fait comprendre, gagne un vol gratis, pour bénéficier programme ça quelque temps ont déclaré yo té même gien t'arrivé inscrit pour quitter pays à bord avion ça Malheureusement, si l'esprit n'a pas passé. Profiter des voyages là pour aller aux États-Unis. Vous faites comprendre, depuis le commencement de la crise, le ticket est très cher. Yo employé qui parle de visage qui paraît, fait VO à Créole qu'on est, te vin gen, en pile moun dans salle départ et à Portland, et te même commencé gen raquette ka fait. Avion te volé vers 7h10 soir comme ça, ak Américain te bloqué dans pays an, tant kou sa fait presque chaque jour dans aéroport international Cap Haïtien. Pas gen aucun responsable qui confirmé pour VO à Créole que vol ça qui te vin chercher Américain te bloqué dans pays an, t'ap pote bénéficiaire programme Biden yo gratis. VOA, pas trivé joint tout document qui parlait de ça. Cependant, Patrick Almono, yon magistrat en après ville Cap Haïtien, fait la voix d'Amérique connaît pas vraiment gain vol gratis qui programmé pour bénéficier Biden yo. Selon monsieur Almono, yo te bay possibilité à ressortissant américain yo pour voyager à quelques mineurs qui gain autorisation voyage et qui te getan gain dossier qui rempli pour ça. Effectivement, on parle de vérité dans ça. Oui, il y a des gens qui ont Biden qui jouent de l'opportunité. Mais cependant, Jean Oubaïk, nouvelle là, ce n'est pas ça qu'elle veut. Ce n'est pas deux avions qui viennent prendre un monde free. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des citoyens américains qui sont allés avec eux, mais il y a même des adolescents qui ont été mis dans l'ISPAO, qui passent dans le processus et que les gens, les adolescents, effectivement, ont été. Ils ont approuvé par Biden, ils ont tous les documents et ils ont été juifs de privilèges pour qu'ils aient une chance pour aller. Flou. Ça veut dire que ce n'est pas on va être dans le cas où désordonné, que tout le monde qui a un papier, tout le monde qui a approuvé par Biden, tout le pays qui a venu et puis a décidé de remonter avion ou bien il a venu devant l'aéroport. D'ailleurs, il a créé une cacophonie. Ensuite, il a créé une concurrence déloyale par rapport à l'autre avion privé qui a fait business et puis l'autre avion qui vient et puis dit gratis là pour tout le monde. C'est-à-dire tout avion qui est loué, qui vient, il a d'abord dit mais il y a un problème, il a campé en attendant qu'il finisse le processus gratis là. En pile nan bénéficié Biden yo, toujours gen dans l'esprit yo, Américain voye yon avion gratis pour venir chercher yo en Haïti.
Gira Maxino Kabaïsien pour la fois. Et actualité à Konya mené nous dans l'État Floride, côté groupe croissance organisé week-end sa première édition sommet international de la finance dans Miami. Sommet de jour ça a été réuni plusieurs acteurs sociaux, économiques et politiques dans la diaspora haïtienne dans l'État Floride pour parler de plusieurs sujets. Nous t'avons sur place, Luxon Saint-Ville. Rendez-vous a été cassé. Dans Miami Airport Convention Center, côté haïtien qui sorti dans divers états te vin tande, c'est l'idée sous qui gens diaspora ka contribuer dans développement pays a. Avec 4 milliards de dollars transférés au voyage Haïti chaque année, diaspora représente seul secteur qui gagne plus l'argent qui injecté dans l'économie Haïti a. Kesne Farel, PDG groupe croissance estimé l'été important pour mener sommet à Bayo pour vin parler plutôt des opportunités investissement. Souvrez l'argent bon moi après me pas gérer l'argent. Souvrez l'argent bon moi après me pas capable produire avec pour qu'on connaît que dans 4 milliards de dollars, il y a 1.4 milliard qui allent en République dominicaine dans importation manger. Même si c'est pas là que haïtien t'aimer voyer l'argent qu'on y a là. Organisateur sommet a voulu voir l'argent diaspora voyer aller dans production au lieu yo aller dans consommation avec activité échange ça Frandley Denis Julien qui c'est une partenaire sommet a voulu lancer un appel by haïtien à l'étranger. Yo. Au lieu que vous continuez à supporter famille et examen seulement, côté que c'est juste pour des gens survivre, je dis à là, vous capable de participer dans des mouvements de développement. Éducation, finance, sociale, politique, technologie, management, production, c'est ensemble thème qui te débat pendant deux journées. Ça, yo. Ça nous souhaitait, c'est que diaspora, avec haïtien moun k'ap développer projet dans le nord dans le sud qui là aujourd'hui k'ap présenter dans domaine éducation dans domaine agribusiness dans domaine santé et dans domaine infrastructure etc. pour que yo travaille ensemble sous de nouvelles approches pour participants yo c'était une belle occasion pour yo te prendre connaissance de situation Haïti dans divers domaines et puis envisager qui gens yo k'ap bien contribuer moi là pour m'apprendre moi là pour me faire une série de connexions moi là pour me participer. En pile diaspora agit à l'individuel, car rentrer dans le collectif. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. Je participe dans le sommet international finance ANISA comme intervenante pour me vraiment positionner le secteur énergétique en Haïti. Côté que moi, je voulais venir inviter la diaspora pour lui entrer dans le secteur ça pour nous renforcer. Première édition, sommet international de la finance dans Miami, était déroulé en présence de divers élites haïtiano-américains. Parmi eux, Sheila McCormick Sherfilus, qui est parlementaire dans le Congrès américain. Groupe Croissance, casse rendez-vous prochainement avec Haïtien qui est à Montréal et New York pour venir parler finance, parler économie. Et puis, on a qui mesi diaspora qui tout côté sous la terre, qui a participé dans le changement pays. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci, Luxon Saint-Ville. Donc, le week-end a été chargé dans la question activité et qu'on y a nous parlé dans New York, côté que tu as gagné 19e édition la nuit des jeunes dans Amazura, dans New York. L'équipe service qui a été débarqué, n'a bonne idée de l'ambiance là. Expire.
Donc nous comprenons que son tradition côté événement et ben VOA Creole là nous t'es Miami, nous t'es New York et New York même c'est une équipe solide qui t'est débarqué avec glorieuse Nelson qui t'est déjà là lui-même, Gary Altidor avec Valerio Saint-Louis t'est déjà New York, Fred Kaimit qui saute New Jersey à le rejoindre et puis l'autre équipe Washington on a parlé de gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abelard, Jean-Robert Philippe, yo tout t'est débarqué donc c'est en tradition parce que année passée t'es là, année ça n'a pas et l'autre année encore n'a pas, c'est tradition VO à Creole. Quelques autres points avant d'aller, n'a pas dit que gon conflit diplomatique entre Mexique avec Équateur après que eh ben policier Équateur t'est rentré dans ambassade Mexique gain dans Quito, la capitale là pour t'al entrer pour un ancien président que yo t'ap cherche et puis gain Donald Trump lui-même qui prend en position qui inhabituelle côté que il dit pas da il pas il compte question pour interdire avortement au niveau national li pito quitter pour chaque état yo même yo prend position pa yo pas oublier que 2024 la son année électorale ici aux États-Unis. Elena, nice to see you, welcome back et puis nous dit gentil Jean-Marc Verbella Cheng Wang les amis pa nous dit merci c'est ton plaisir moi c'est Jacques Lambelizer bonsoir. Et à demain.